suis enfermé ici, dans une bibliothèque, et j'ai seulement 100 minutes pour trouver une clé dans un livre parmi 200 livres. Et si jamais j'arrive pas avant les 100 minutes, je vais devoir lire ce livre entièrement. YouTubeur pour les nuls. Faut que je trouve la clé. Je sais pas par où commencer. Ok. Et attention, ce que vous savez pas, c'est que parmi les livres, il y a pas que des livres simples comme ça. Il y a aussi des livres où à l'intérieur, il y a des défis à faire ou des happenings. Pio, j'espère que t'as été gentil avec moi. Oui. Imaginez juste, là, je prends un livre, par exemple, allez, celui-là, et il y a la clé dedans. Fin de la vidéo. Ok, il n'y a rien dedans. Ok, on va prendre ce petit livre-là, tiens. Celui-là, je le sens bien, là. Voilà, ce que je viens de dire, les happenings. Faire ce puzzle sans utiliser le modèle. Ça, c'est moi qui ai galéré à couper les livres avec Pio pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur, et quand c'est fermé, c'est une cachette secrète, ça se voit pas. Ces livres-là, justement, je les ai trouvés sur le bon coin. Quelqu'un qui les donnait, qui allait les jeter. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Et pour... Oh putain, j'avais oublié, il y a des voix, t'as vu, elle a dit chute. Allez, on a la bibliothèque, on va pas faire trop de bruit. J'avais oublié que moi-même, au montage que j'ai fait sur le truc qui est affiché sur la télé, que j'avais mis des sons, ça m'a fait peur. Et surtout, tous les livres qu'on n'a pas percés, j'irai les donner à une assos. Et j'ai gardé aussi les pages qu'on a coupées, que je vais pouvoir donner pour pouvoir les recycler. C'est important parce que je me suis dit, putain, je m'en veux, je suis en train de découper des livres, c'est horrible. Bon, ça doit pas être trop compliqué de faire ce puzzle, hein. C'est un... Wesh, il y a deux pièces. Putain, mais il manque des pièces. Il n'y en a aucune qui va avec aucune. Soit j'ai 12 ans, soit je sais pas faire un puzzle. Non mais regarde, il n'y a aucune couleur qui matche avec aucune. Moi, tant que j'ai pas fini le défi, je peux pas ouvrir un autre livre. Chèche. Ok, donc il y en a d'autres. Ok. Tac. Ouh, j'ai pris un risque. Et là, la clé elle tombe. Ding. Je vais vous dire une confidence. Je n'ai jamais lu un livre entièrement de ma vie. Je vais balancer ma mère sur cette vidéo. Elle risque d'être pas contente d'entendre ça. Mais quand j'étais petit à l'école, je voulais pas lire mes livres. N'importe quelle mère aurait dit... Tu lis ton livre, tu fermes ta gueule. Elle lisait les livres à ma place et elle me disait ce qui s'est passé dans le livre. C'est pas archi bien ça? Justement, ça se trouve, je vais devoir lire le livre YouTubeur pour les nuls. C'est horrible parce que c'est un livre où je pense que je vais rien apprendre en fait. C'est des trucs de base et je suis sûr que ça va être des trucs horribles, genre en mode n'oubliez pas de dire à vos abonnés, de commenter, de. D'ailleurs, commentez la vidéo s'il vous plaît et mettez un like. Je regarde un peu parce que ça se trouve, la clé, t'imagines, genre ils l'ont mis dans un truc comme ça là. Tiens, celui-là, là, il m'attire là. Deux en même temps, bam. Moi je vois sa tête parce que lui il sait, il l'a mise où la clé. D'ailleurs regardez quand il a mis la clé à l'intérieur pour pas me spoiler, j'ai dû faire des bruits et tout pour pas entendre où il allait mettre la clé parce que je suis rentré avec lui et on a dû fermer derrière nous. Donc lui il sait, elle est où la clé. Tiens là, Michel Lesbre sur le sable. Allez tu sais quoi, à l'aveugle. Colline, l'espoir est une terre lointaine. Oh, celui-là, ça aurait été con de le découper, il est vraiment tout neuf, il est tout propre. On va lui donner une assos des pirates. Ok, celui-là. 50 nuances degrés, tiens. Ah, laisse le temps passer. Ah non. Bah, il y a marqué laisse le temps passer, il n'y a pas marqué ne touche pas au truc, ne va pas voler une supérette, il y a juste marqué laisse le temps passer. On en profite. Pendant qu'on n'a rien à faire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, s'il vous plaît. On est bientôt aux 400 000 abonnés, je compte sur vous. Oh, fini. Celui-là, le secret des glaces. Ah, j'avoue, j'ai un peu cru. Putain, ça aurait été beau dans celui-là. Hein. Ça aurait été pas mal, franchement. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il y a une carte postale. Non. Vu que je l'ai pris à un petit papier sur le... Ouah, le chute, je sais pas si vous l'entendez avec le micro, il fait super peur. Je sais pas c'était à qui ces livres, et là je viens de voir une carte postale. Une amicale pensée de la Corse, avec un superbe beau temps et des paysages magnifiques, bien amicalement. Gisèle. Ah mais en fait, il s'en servait juste comme marque-page. Eh bah écoutez, en tout cas, ça donne envie la Corse. Allez. Un palais d'épines. Oh. Oh putain. Avoir trois fois le même numéro. Ça peut être très long ça, Pio. Oh putain. Moi, je faisais ça quand j'étais petit. Oh ah non, c'est impossible. Vraiment, deux essais. Deux essais. Ah non, c'est impossible. Non, désolé, c'est impossible, bref. Bah, t'as bien vu, t'étais là. On dirait que t'es un viewer qui regarde une vidéo. Mais non, c'est impossible. Ah oui, c'est impossible. Attends, je vais faire ça au cas où. Ah d'ailleurs, est-ce que vous saviez ça? Regardez, tu prends un livre. Je suis sûr que tu le savais pas. Par exemple, tu prends celui-là. Bon, lui, il a rien. Un peu à droite, un peu à gauche. Un peu à droite. Ah oui, oui, oui. Et après, ça fait quoi? C'est bloc. Ouais. Putain, en Italie, ça fait ça. Ah oui. Et là, impossible à enlever. Vas-y. C'est impossible. Alors que là, au final, c'est la définition que dans la vie, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de force. Oh. Vous pouvez la reprendre, celle-ci. 1h14, il reste. Donc là, ça fait 15 minutes qu'on est tué. Hésitation.
Oh putain. Appuyez 1000 fois. Dès que t'appuies, ça fait 1, 1. Et faut arriver jusqu'à 1000. Pour vous donner un ordre d'idée, là je suis à 100. Donc je dois faire ça 10 fois. Ça va en vrai, non? Oh, ça fait peur ça. Par contre, j'aimerais bien trouver les autres pièces du puzzle, hein. Ça fait chier de pas finir un puzzle. En vrai, je m'en bats les couilles, je rigole. Je m'en bats les couilles du puzzle. 236. Ça, c'est les trucs qu'ils ont à Disneyland. Tu sais, quand tu passes, ils font. C'est vrai que c'est pratique parce qu'avec ton doigt, tu fais. C'est nul ce que je dis là. Je sais pas. Je voulais voir s'il était honnête. 501. Vous connaissez Pio là? C'est mon beau-frère qui me cadre. Pio, il est ici, lui. Il est là. Il habite ici, lui. N'importe quoi. 999. C'est bon. Peut-être y'a rien. Journal d'un vampire. Oh putain. Détruit le jouet incassable en utilisant seulement une main. Ça y est, les jouets incassables, je veux arrêter. Comme ça, on va être fixé une bonne fois pour toutes pour savoir est-ce que c'est vraiment incassable ou pas. Parce que si j'arrive à le casser avec une seule main, c'est abusé. Ça va être facile, hein. T'es prêt? C'est remis dans mon dos. J'ai une trace, c'est sûr. T'as une trace ou pas? Ou je suis un cinématologue? Michel. Putain. J'en peux plus. Il m'a eu. Il est où? Tour de magie. Tour de... Prêt là? Là c'est bon. Prière pour toi. On va commencer à s'activer un peu là. Ah putain, il y a des mots encore. 2006, en souvenir de nos vacances à la Palmyre, jeux anniversaire 2006, maman, gros bisous, Mathieu. Oh, c'était pour sa mère. Et sa mère l'a donné ou revendu? C'est dégueulasse. T'as peur hein, quand je reviens par là, hein, et par là. Hein, et là, et là. Ouais, ça, ça fait vraiment peur, ça. Oui, bah ça va, hein, on peut regarder les livres. Hein. Un étranger dans la maison. Ah bah toi, t'es étranger, sans papier. Ah oui, c'est vrai, t'as cherché la carte vitale maintenant. Oui. C'est fou de me dire que ça se trouve, la clé est dans ce livre. Ou peut-être, tu vois, dans celui-là. Ou peut-être dans celui-là. Ou peut-être dans celui-ci. Ou peut-être dans celui-là. Fais un tour de magie. Rien de plus normal dans ce livre. Regardez bien. Oh, un paquet de cartes. C'était bien déjà là. Non. Tout va bien dans les cartes, y'a rien de bizarre. J'ai une carte ici, que je vais mettre dans le paquet qui est vide, ok? Je la mets à l'intérieur. Je laisse le paquet ici. C'est le monde qui a l'œil sur ce paquet. Tu coupes le paquet en deux où tu veux. Tout va se jouer maintenant. Tu as coupé où tu voulais, on est d'accord? Oui. On marque là où tu as coupé. Peux-tu prendre la carte là où tu as coupé? S'il te plaît, jeune homme. Regarde-la bien. Tu peux la poser dans le paquet. Pourquoi ici? Vas-y, pose-la où tu veux. Ok, ici. Je mélange. Et attention, ça va être très simple. Ta carte, c'est celle-ci. Non. Non? C'est pas celle-ci? Non. Bah tiens, je la mets là. Pam! Non. Elle est revenue ici, et celle-ci, c'est la tienne. Non. Attends, ok, ok, attends, attends, je remélange. Ta carte, c'est celle-ci. Elle. Non. Elle? Non. Ah, mais attends, j'avais oublié ce paquet. Je te laisse toi-même prendre ta carte. Je n'ai rien fait. Est-ce ta carte? Non. Bah oui, non, mais c'est un joker. Ah oui, bah... c'est un joker. Non, mais c'est pas ta carte à toi, mais c'était une prédiction, ça. Ah, oui, oui. Alors, on dit quoi? Ah oui. C'était stylé? Ok, c'est bon. Parce que oui, j'ai fait énormément de magie quand j'étais jeune, vraiment. J'ai déjà donné un spectacle. Voilà, vous en savez plus sur moi dans cette vidéo. Oh, le prix des lecteurs d'Anthony. Imagine, il y a des gens qui lisent ça entièrement, Pio. 906 pages. Si vous aimez la vidéo, dites-moi. On pourra refaire un épisode 2, mais cette fois-ci, au lieu de le faire ici avec 200 livres, on le fera dans une vraie bibliothèque. Avec, bah, je sais pas, il y a au moins 20 000 livres dans une bibliothèque. Et là, on prendra 24 heures pour réussir à le faire. Ah, petit marque-page. Le don du sang, c'est toute l'année qu'il faut y penser. N'hésitez pas, pensez-y, allez faire un don du sang. Moi, je peux pas, quand t'as un tatouage, tu peux pas? Oui, après oui. Ah, après! Ah bon, moi, c'était mon excuse. Parce que j'avoue que j'ai trop peur des aiguilles et tout, et je suis pas à l'aise avec ça. Mais ceux qui sont à l'aise avec les aiguilles, allez donner quoi, votre tatouage? Non, mais c'est pas pareil. Non, parce que là, on vide de mon sang, c'est stressant. C'est pas une excuse parce que ça, je vais laisser dans la vidéo. C'est vrai, on vide mon sang, c'est stressant. C'est quoi? Vas-y. Là, il y a un queue et je le fais maintenant, je donne mon sang. Promis. J'avoue, j'ai cherché des excuses. Et bah, je vais y aller. Faites comme moi. Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d'argent ou de drogue dans les 12 derniers mois? Non. C'est trop bizarre.
On me vide littéralement. On m'a dit que c'est 500 ml, j'assume plus. En plus, on me demande de bouger les pieds, comme ça. Et de jouer avec la baballe. Bon, ça y est, c'est fait. En vrai de vrai, je pensais que ça allait faire beaucoup plus mal et que ça allait être beaucoup plus long et que j'allais être pas bien. Je suis en pleine forme. J'ai pas l'impression d'avoir donné 500 ml de sang. Si vous en avez l'occasion, allez le faire. Ça peut être méga important et vous, ça vous prend pas beaucoup de temps. Et en vrai, ça va, 500 ml de sang, c'est quoi? Ah! Bon jeu d'acteur ou pas? Ah! Il y a une page qui a été déchirée ici. Mais c'est pas nous, ça. Ça se trouve que là, la clé, sans savoir, elle est dans un des livres. Fais chauffer la carte avec 10 euros, carte SVP. Donc là, tu viens de me faire payer 10 euros sans savoir ça va où? Ah, moi. Ah, c'est sur ton compte à toi? Bah oui, c'est normal. Il reste exactement 36 minutes, donc on va commencer à se dépêcher. Putain, tous les livres qui restent, je me rendais pas compte. Ah! Hop. Ok, donc là déjà, je peux avoir peut-être un peu plus de pièces. Et là, je pense que je peux peut-être faire le puzzle. Ma meuf, elle est forte pour les puzzles. Moi, je suis nul à chier. Je peux pas le faire, il manque des pièces encore. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je l'ai pris comme ça, il a fait une galipette et il s'est ouvert et j'ai vu... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu ça. Prends deux gouttes dans la gueule. C'est l'une des sauces les plus piquantes au monde. Juste sans là, juste sans là. Attends, pour combien tu prends une goutte aussi? Fais pierre, feuille, ciseaux. J'ai... Si? Ils l'ont dit, je les ai entendus, ils ont dit oh, le cadreur en vous aussi. Non. Je les ai entendus, Pio. Pierre, feuille, ciseaux. Si! Non, attends, on va te non, non, c'est vrai, t'es un menteur. Allez, c'est parti, j'en prends deux moi. C'est pas... Je l'ai pas mis! Non, non! Il faut un truc à Pio. J'ai mis deux gouttes. Non, t'as mis plus. Bah non, j'ai mis deux. À toi. T'as perdu, t'assumes. Allez. Bien sûr, let's go. Quoi? Rien? Ok. Ah! T'es malade! Pio! Il me reste 30 minutes. Hé, t'en fous! C'est pour l'association! Allez, viens, on finit vite, comme ça on peut sortir PO. Oh. Ah, putain, je... Fais-toi vider le chargeur sur toi. Tiens, on en finit. Y'a pas de billes? Oh non, mon dieu. Non. J'ai pas oublié les billes. T'as oublié les billes? Ouais. Non. Ah, 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 ah. 20 000 likes sur cette vidéo. Pio mange la chips la plus pimentée au monde. Non. 20 000 likes. Oh, s'il vous plaît. C'est mon rêve ultime. J'ai déjà mangé la chips, j'ai failli partir à l'hôpital. On peut dire que je suis en colère. Oh putain. Tu dois gagner une partie ou non contre un PO. Il n'y a aucun fun dans la partie là. Ou non. J'ai gagné. Ou non. J'ai gagné. Non. Hop, c'est bon. Hop, c'est toi. Putain, enculé. Ou non. J'ai gagné. Non, mes frères. Jaune. J'ai gagné. C'est quoi? Je vais même pas m'énerver. Uno. Vert. J'ai gagné. Ouais. Allez, c'est parti. On finit de jouer là. Par contre, il reste 15 minutes. Ah. Il y a un truc à l'intérieur. 50 nuances. Dis donc, il y a beaucoup de 50 nuances. Menotte-toi et retrouve la clé pour te libérer. Voilà. Donc ça veut dire que, imagine, je trouve la clé pour sortir d'ici. Déjouer, après, je dois quand même galérer pour trouver la clé pour monter ça. Génial. C'est bon? T'es content? Ok. Allez. Oh, le mystère du grand sphinx. Premier degré, je suis passionné par l'Égypte. J'ai jamais été, j'aimerais trop y aller. Ça a l'air incroyable. Anecdote folle, mon parrain fait des vidéos sur l'Égypte. Et il faisait du montage vidéo avant moi. C'est un signe, mon parrain fait du montage vidéo. Maintenant, j'en fais mon travail. Il a d'être ça. Oh putain! Tête. Ah, mais il manque encore des pièces. Ouais. En fait, c'est bon, on a compris. Avant même d'ouvrir,
J'ai vu Pio. Bah on l'a vu avec la cam là. J'ai vu Pio comme ça. Donc j'ai capté qu'en l'ouvrant, j'allais me faire surprendre avec un truc. Chut, bah oui. Bah oui, elle a dit chut, la bibliothécaire. La bibliothécaire. Des lunettes de soleil. Ah. Non, juste des lunettes de soleil pour que je sois plus beau gosse. Vous vous rappelez de celle-ci, elle date, hein. C'était vraiment l'époque, en plus, avec ses concepts. J'avais fait un concept sur ma chaîne. Je dois trouver le bon CD pour sortir de mon studio. Il y avait 200 CD. J'écoutais un par un. Il y avait des blagues de mes potes dedans. Et parmi un seul CD, il y avait un code pour sortir de mon studio. Et il reste 9 minutes 52. Pourquoi je parle super vite et je suis un peu stressé? Ça se voit que ça sent ou pas que je suis un peu stressé, Pio? C'est ça ma priorité. Faudrait que je trouve les clés. Ah! Oh! Yeah. Ah, mais il n'y a pas tout encore. Je voulais vraiment dire ça jusqu'à la fin. Va en bas. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Fais un château de cartes à 3 étages. Les cartes sont super lisses, hein. C'est génial. Je te jure que ce livre-là, j'ai pas envie de le lire, Pio, ça va être horrible. J'ai vu, il y a 300 pages dans le livre. Youtubeur pour les nuls. J'ai mal au ventre. Oh. Pio, je vais péter un câble, arrête. 2 minutes et 25. J'ai pas envie de lire ce livre de con. Putain, il reste 36 secondes, c'est mort. Si j'arrive juste à mettre ça. C'est fini. Putain. Eh ben écoutez, je vais devoir lire Youtubeur pour les nuls. Dites-moi si vous êtes chaud, je vais essayer de le... Je peux le faire en live si vous voulez, parce que je me dis autant lire un livre de merde, autant essayer d'être avec vous et rigoler de ce livre de merde. Oh, j'ai trop la haine. Bon, c'est pas grave. On a quand même encore le temps pour trouver la clé, des menottes et de la porte. Maintenant, il y a 2 clés à trouver. On dit que ça peut littéralement prendre 2 heures. Oh. Il n'y a plus aucun fun dans la vidéo. Continue à faire. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah! Anthony Friolo, comme vous ne l'avez jamais vu. Là, laissez-moi tranquille. Je vais être tout seul en train d'ouvrir mes livres. On parle pas. Laissez-moi 3 livres. 3 livres dans mon côté. Ok, c'est bon, on peut reparler, je me suis calmé. Okay. Il reste tellement de livres. J'ai plus envie de te parler, j'ai même plus envie de te regarder, Pio. Pourquoi? Là, c'est fini. Là, on va s'en occuper. Ici, ça va être fini. Vite fait, bien fait. Ça, on va le finir aussi tout de suite. Ok, est-ce qu'on s'occupe de là? Putain, je croyais vraiment que c'était celui-là. Putain. Tiens, 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 dans un si gros livre, là. Nanana. Oh, lui il est énorme. Je suis ton soleil. Un tatou. Un tatou? Oui. Mais je me suis toujours dit, il me manque un truc ici là. Donc j'ai envie de tester, tu vois, comme ça sera l'occasion. Par contre, mon éponge, elle est plus trop mouillée. Oh. Waouh. Persona. Oh non, fais chier, putain. Putain, mais il est énorme le puzzle. Oh. Ah non, même pas, putain, je suis vraiment nul. Regarde, hop là. Il manque des pièces, mon Pio. Où ça? Ah ouais, putain. Ouais. Bon, il manque des pièces, je finis après. Tentation. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Trop content. Ah oui, putain, merci. Non, ça marche pas. Mais si, ça rend. Ah non. Par contre, tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, hein. Si, ça va là, ça. Eh oui. Ouais. Allez, ça me saoule. Allez, ça y est, j'en ai marre. Ça y est là, faut que je m'en sorte. Faut qu'on sorte, Pio, j'en peux vraiment plus là, je te jure. Ça me rappelle trop la salle blanche. Oh putain. Oh, trop bien le puzzle, on va pouvoir le finir. Bam, mon gars. Bam. Oh, wow. Oui, oui. Oh, putain. Trouve le code dans la salle. Attends. Putain, c'est un iPhone SE. Moi, où j'aurais caché mon. T'as dû le mettre. Il y a un truc comme ça, c'est sûr vicieux comme t'es là. Ah non, oh putain, j'ai cru que j'avais trouvé, putain. Ça fait plus de 2 heures qu'on est c'est ici. J'ai des menottes. Je dois lire un livre de merde de 300 pages. Donc je s'il te plaît, sois indulgent et dis-moi un indice. C'est pas non. Est-ce qu'il est facile à trouver? Non. Je suis chaud ou pas là? Non. Je suis chaud là? Non. Non. Je suis chaud là? Non. Je suis chaud là ou pas? Oui. Bâtard. 0. 1, 0, 2, 0, 3. C'est quoi cette photo?
Wesh, on dirait un compte OnlyFans. Donc là, j'ai galéré, je me suis mis à quatre pattes juste pour ça. Oui. Ah, franchement, je suis content parce que j'avais envie de le finir. Bam. Bam. Incroyable, non? Non, non. Ah non. Ah, j'avoue, je regrette. J'ai regretté à la seconde même où je l'ai lancé. Manque des pièces. Ah. On l'a refait. Non, allez. Non, non. Allez, c'est bon. Allez. Non, ça commence à me saouler. C'était drôle au début. J'aime bien le concept. Je l'aime plus, ce concept. Dans une bibliothèque, je vous le dis, si jamais on fait la vidéo, j'invite quelqu'un. Hein. Il y a un feat. Jamais j'invite, je fais ça tout seul dans une bibliothèque avec 10 000 livres. Ce qui serait incroyable, c'est que j'ouvre un livre, je retrouve la clé pour enlever les menottes, et ensuite j'en ouvre un autre, et là je me barre. Putain, j'ai cru. J'ai cru qu'il y avait la clé quelque part. Ah, je dois aller dormir. C'est l'heure pour aller dormir, mais il est quelle heure? Il est 23h44. Mais non. J'ai une alarme qui me dit d'aller dormir, mais je dors jamais à 23h44. C'est une dinguerie de faire genre de dormir tôt. On a presque fini la bibliothèque. Ah, mais il y a tout encore en bas, en haut, là-bas. Oh là 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 là. Allez, la clé, la clé, la clé. Imaginez juste que le dernier livre que j'ouvre, c'est vraiment la clé. Les gens vont dire, c'est du fake. Tellement que c'est impossible. Ça serait une chance sur 200. Ah, j'y ai vraiment cru. On vient de finir une armoire en plus. Non mais attends, tu te rends compte de la dinguerie? Ça veut dire qu'ici, il y a à la fois la clé pour les menottes et la clé du studio. C'est pas possible. C'est un coup monté, le truc. Non, c'est pas ce qui va se passer. D'un côté, j'ai un peu envie que ça se passe comme ça. Ça serait incroyable, mais j'y crois pas. Oh. Ah, bon, déjà, c'est les clés pour m'évader des menottes. Oh oui, bébé! Donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, en mode, je vais ouvrir un livre et le prochain sera la clé du studio. Attention, c'est peut-être le cas. Non, c'est pas ce qui va se passer quand même. C'est le dernier livre. Non, non. Elle est où la clé? Non, ta gueule, Pio. Je m'achète. Non, là, je rigole pas par contre. Oui. Non, je rigole pas. Donc ça veut dire que je l'ai passé. Oui. Tu l'as vu? Bah oui. Non, ferme ta gueule. Bah oui. Non, tu te fous de ma gueule, Pio. Ah oui. Ah, il y a une page qui a été déchirée ici. Ça se trouve que là, la clé, sans savoir, elle est dans un des livres. C'est une blague. Donc depuis le début, tu savais que tu me dis rien. Ok, un livre qui se plie avec une clé à l'intérieur, c'est totalement impossible, on est d'accord? Putain, mais même pas une clé, c'est fin. Hein. T'es en train de me faire devenir fou, là. Mais t'es mort, tout ce qui reste encore, Pio. Tu vois, là, je peux pas faire ça. C'est ça, peut-être que tu m'as niqué sur un livre dur. Non, tu veux pas la cacher là-dedans. Oh, bâtard. J'ai cru que c'était la clé. Putain de trombone de merde, va. Putain, mais le livre, il est trop bizarre. Quand je fais ça, il y a un truc, dur, mais en fait, non. J'ai l'impression d'être une bibliothécaire. Là. Oh, t'aurais pu la cacher, là. Je l'aurais jamais vu de ma vie entière. Je vais devoir regarder dans tous les livres comme ça, là. Non. Pourquoi il y avait une page collée? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans la page. Là, je suis en train d'examiner ce livre-là. Regardez le livre comme il est suspect. Il y a deux pages qui s'étaient collées entre elles. Donc je me dis, pourquoi il y a eu deux pages qui sont collées entre elles? Ça fait au moins 5 minutes que j'analyse ce putain de livre. Je savais qu'il y avait une connerie, j'arrivais pas à le voir. Ouais ! On sort. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une partie 2 dans une bibliothèque et avec quel youtubeur vous voulez voir ça. Gros bisous. Et je compte sur vous bientôt 400 000 abonnés. De l'air. Allez, bisous.